Nous n'avons pas choisi le 30 avril 2013 par hasard. Nous avons choisi la veille du 1er mai. La veille du 1er mai pour se souvenir, pour dire merci et pour se nourrir de la force de nos aînés. Farah Tachet, c'est d'abord un grand patriote tunisien. C'est un homme qui, d'abord, se bat pour que naisse la nation tunisienne, pour qu'elle ait le droit de se débarrasser du joug du colonialisme. C'est un hommage d'abord que je veux rendre au nom de Paris à toutes les Tunisiennes, à tous les Tunisiens qui se sont battus pour qu'en 1956, la Tunisie soit un pays libre et indépendant. Ce moment n'est pas neutre. Ce moment est un moment, un acte posé contre l'idée même du colonialisme. Il n'y a pas de colonialisme avec des effets heureux. Le colonialisme, c'est toujours la domination économique, politique d'un peuple sur un autre. Ce n'est jamais la légitime. Vive l'amitié entre deux peuples égaux, indépendant et libre, le peuple tunisien et le peuple français.